Bonjour à tous et bienvenue pour le septième numéro de ce défi des 28 jours, septième capsule où nous l'avons vu dans les jours précédents. Eh bien, j'avais un véritable problème, c'était de savoir de quoi j'allais parler. Et je vous avais dit hier que je préparais un petit sujet. Eh bien, le sujet que j'ai prévu ce matin, c'est de vous parler du rituel. Quelles sont mes habitudes? Quelles sont les choses que je pratique tous les matins ou au moins au minimum 3 à 4 fois par semaine? Eh bien, c'est très simple. Après que mes enfants soient partis à l'école, c'est-à-dire à partir de 8 heures et cela jusqu'à à peu près 10 heures, donc pendant 2 heures, je vais m'accorder du temps pour réaliser un certain nombre de choses. La première chose que je vais faire, eh bien, c'est mettre en pratique un peu d'exercice physique, puisque je vais faire à peu près une vingtaine, une trentaine de minutes. Alors, si c'est à l'intérieur, je vais utiliser un tapis de sol et je vais faire des exercices d'étirement, des exercices qui vont me permettre de me remettre un petit peu en forme. Et puis sinon, je vais utiliser une table vibrante, une table mécanisée, une table vibrante qui va me permettre de faire tout un choix de programmes qui servent naturellement à tonifier le corps et à me rendre, je dirais, en meilleure santé. Sinon, ben, je vais simplement aller à l'extérieur, chaussé d'une paire de tennis, et puis je vais aller faire une marche d'à peu près 20 minutes, une demi-heure, pour prendre l'air et respirer. Voilà. Ensuite, quand cette activité sportive va être terminée, eh bien, je vais en profiter pour utiliser ce casque, voilà, ce casque, et écouter soit des musiques, soit des livres inspirants, mais je vous avouerai que j'ai une préférence pour les livres audio, et je vais utiliser effectivement un certain nombre de programmes audio pour parfaire mon éveil spirituel. Voilà. Ensuite, j'utiliserai le temps qu'il me reste pour écrire, car je suis en pleine écriture et vous l'avez probablement compris. C'est pour ça que je fabrique ces petites capsules pour justement me remettre sur les rails pour vous préparer de nouveaux programmes. Voilà. Pour ce qui est du rituel de ce matin, je vous ai expliqué à quoi consacrer mes 2 premières heures de la matinée, et cela 2 à 3 fois par semaine. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles explications. Ciao, ciao!